Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Jésus sont fils de Dieu, fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Jésus sont fils de Dieu, fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Jésus sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Jésus, son fils.